Alors, c'est Happy Business, on est il y a un peu plus de 2 ans dans le réseau Entrepreneurs d'Avenir, donc réseau que j'ai lancé en 2009 pour vocation de réunir des dirigeants qui s'engagent, des dirigeants qui s'engagent bien évidemment pour leur business, mais qui s'engagent aussi pour la planète, qui s'engagent pour un vrai progrès social. Et donc, c'est Happy Business, on est un peu par hasard. À l'issue d'une rencontre que j'avais prévue avec un certain nombre d'entrepreneurs, j'avais demandé à l'un d'eux de nous parler de son entreprise, de son histoire. Et j'ai trouvé que cette histoire était passionnante et les 40 ou 50 entrepreneurs qui étaient autour avaient été passionnés. Et du coup, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule et j'ai demandé à chacun, en 2 minutes chrono, de nous raconter leur entreprise, leur projet et ce qu'ils avaient à nous proposer. Voilà. Donc c'est né comme ça. Depuis, on en fait 3-4 par an. Et l'objectif, c'est de permettre à une quarantaine de dirigeants et dirigeantes du réseau, mais pas que du réseau, Happy Business est assez ouvert, de se rencontrer, de pitcher sur ce qu'ils font, de vraiment toucher du doigt ce que chacun fait et d'avoir envie de commencer une collaboration, une coopération. Voilà. Moi, je crois vraiment que cette économie responsable à laquelle on croit, elle va se faire entre ses membres, entre ses entrepreneurs. Et donc, le but est celui-là et ça marche plutôt bien. Être entrepreneur d'avenir en 2016, c'est être engagé au sens de, bien évidemment, son économie. Quand on est entrepreneur, ça veut dire qu'on croit en une idée, mais qu'on pense que cette idée peut, allez, je vais être un peu prétentieux, peut changer un peu le monde. Et être entrepreneur d'avenir, c'est mettre cette entreprise au service de quelque chose de supérieur que son bas de bilan et d'intégrer des paramètres humains, des paramètres sociaux, des paramètres environnementaux, des paramètres sociétaux et d'essayer de faire grandir cette entreprise sur toutes ces dimensions-là ensemble. Voilà, c'est ça être entrepreneur d'avenir.